Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, mesdames, messieurs, honorables invités, par la grâce de Dieu, nous nous sommes réunis ce mercredi 22 novembre 2023, comme le veut la tradition, la fête patronale. Je me réjouis de l'honneur qui me choisit d'exprimer au nom des formations musicales des armées, ma gratitude à tous ceux qui ont bien voulu à ce titre, il me plaira d'emblée de magnifier avec respect et modestie la confiance dont nous avons bénéficié à l'égard de nos supérieurs hiérarchiques. En prenant toute la mesure de la noble mais difficile mission qui nous est assigné, je salue avec respect et fierté nos anciens qui nous ont devancés dans ce temple du savoir et de la pratique musicale. Je m'incline aussi pieusement devant la mémoire de nos camarades disparus, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux malades et alités. Aussi, je rends hommage à mes prédécesseurs qui ont remarquablement enrichi au sein de notre bataillon ces valeurs cardinales qui font la grandeur de notre métier. J'exprime ma reconnaissance à tous ces grands anciens dont je salue la présence à travers cette invitation. L'histoire de la musique se confond à celle d'une sainte qui a, en effet, grandement contribué à inscrire dans les pages de sa jeune mais glorieuse histoire les premières lettres de noblesse, car elle a adhéré à l'inspiration de cet art, la Sainte Cécile. Il est admis que la Sainte Cécile vivait au IIIe siècle de notre ère. Bien qu'issue d'une riche famille païenne, elle désirait ardemment se consacrer à suivre l'enseignement du Christ proposé par l'Évangile. Ses parents, au contraire, décidèrent de la fiancer à Valérien, jeune homme de haut lignage. N'étant pas pour ce mariage, Cécile ne cessait de chanter dans son cœur pour le seul Seigneur, je cite, « Que mon cœur et mon corps restent immaculés pour que je ne sois pas confondu. » Au bout de son effort, Cécile parvient à convertir Valérien et son frère Tiburce. Face à la piété des deux frères, le préfet de Rome, Almachus, ordonnant qu'on les mette à mort. En épargnant Cécile, espérant qu'elle livrait à la cité les richesses de sa famille, mais les distribua aux pauvres de la ville. Almachus lui intima l'ordre de faire des sacrifices aux dieux païens, ce qu'elle refusa de faire. Elle parvient à convertir 400 autres personnes. Fou de rage, le préfet ordonna qu'on la décapite. La garde envoyée pour accomplir cette sale besogne frappa trois fois sans parvenir à la trancher la tête. Cécile expira au bout de trois jours et fut ensevelie par les fidèles. Sa maison devint un lieu de prière et son histoire se répandit rapidement pour devenir très populaire vers le VIe siècle. Mais en fait, c'est au XVe siècle que Sainte Cécile commença à être considérée comme la patronne de la musique. Mais il semble que c'est à Londres que l'institution des festivités placée sous l'égide de la Sainte Cécile ait pris naissance en 1683. De nos jours, les associations chorales et instrumentales, toutes les formations musicales militaires, organisent de belles fêtes en l'honneur de leur patronne le 22 novembre, jour anniversaire de la dédicace par le pape Clément VIII de la basilique de Trastevere, où repose le corps de la sainte vénérée. Mon colonel, honorables invités,
Nous avons choisi cette année comme thème de célébration la musique, facteur d'union et instrument de communion. Dans la définition théorique, on dit que la musique adoucit les mœurs. Les noces ne relèvent pas seulement du dicton, mais constituent un topo bel et bien prégnant dans les discours sur la musique. Et pour démontrer ce paradoxe et magnifier ces actions, que nous avons choisi ce thème. En effet, la musique dans sa généralité présente un intérêt majeur, comme elle constitue un moyen privilégié pour établir, mais aussi améliorer les rapports entre populations de cultures différentes, tout en gardant son universalité. Elle est le seul art qui exerce sur notre âme et sur nos sens une action directe, sinon immédiate. À cause de son grand pouvoir et de ses moyens énergiques qui lui permettent d'agir aussi bien sur le physique que sur le moral. La musique est un besoin naturel du cœur et de l'esprit. Elle transmet soutien et repose. C'est pour ses multiples capacités qu'elle nous permet d'oublier tous les soucis de la vie quotidienne et nous apprend tout ce qui est important et profond sur l'humanité. Certains se poseront peut-être la question à savoir comment la musique parvient-elle à ces phénomènes. La réponse est très simple. Les sons considérés par rapport à leur émission unique ou simultanée, par rapport également à leur thème, s'adressent surtout à l'âme et à la sensibilité. Le rythme lui tend à fortifier l'impression première en communiquant aux organes un ébranlement, une impulsion dont les plus insensibles des humains ne peuvent se défendre. Cela est vrai que sans secours du son musical ou de la phrase mélodique proprement dite, le rythme suffit à lui seul pour ébranler les masses et les mettre en mouvement. Et c'est en vertu de ce postulat que la musique est convoquée régulièrement depuis l'Antiquité pour des programmes d'édification. En somme, la musique est le langage de la paix. Elle transcende les frontières et se présente comme un instrument éclatant permettant de fédérer les esprits dans l'universalité. Ces moments de haute portée significative participent à renforcer la communion des cœurs et des esprits, donnant à chacun de nous une confiance mutuelle en étant fier de notre passé et confiant en notre avenir. Mon colonel, honorables invités, en implorant au Tout-Puissant de consolider nos acquis, je m'engage solennellement à toujours maintenir le flambeau dans la discipline, mais aussi et surtout dans le respect des lois et règlements au service de notre pays. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Merci de votre aimable attention.